désarmez les charges, détruisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence. Charge explosive. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite! Normandie, la balise est sécurisée. Incroyable. Demande un évacuation immédiate. Un protéin en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, Normandie. On reste en stand-by. Shepard! Non, ne touchez pas.
Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Docteur ? Docteur Chakwas, je crois qu'il se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous ? J'en serai quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis resté dans le coltard ? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO, du coup, le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Merci, c'est gentil. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, capitaine Anderson. Comment va notre commandant en second, docteur ? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va ? Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. L'artilleur Williams ne fait pas partie de l'équipage du Normandie. Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Williams est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenko est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenu avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sorties du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. J'ai juste fait mon boulot, chef. J'espère que le Conseil comprendra ça. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi ? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose ? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren ? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement ? Que j'ai fait un mauvais rêve ? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise.
Une technologie protéenne disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de Geth à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai.